Je n'ai pas réussi à terminer mon tacos. Voilà, vous avez vu clair en moi. C'est terrible. Babylone, que je suis allée voir hier après-midi au cinéma Arvor. C'est un film de Damien Chazelle, un réalisateur français du coup, mais c'est un film états-unien. J'ai trop aimé. Genre, en fait, il y a tellement de choses à dire sur le film que ça va être compliqué d'être concise et pas partir dans tous les sens. Heureusement, France Culture a fait un épisode de plan large pour en parler, donc ça dégrossit un petit peu ce que je voulais dire, mais en gros, Babylone, c'est un film qui revient sur la période du cinéma des années 10 à 20, c'est assez trouble. En fait, ça se passe dans les années 20 au début, mais vu le cinéma dont il est question, c'est plus proche du cinéma des premiers temps. Mais du coup, c'est intéressant parce que ça parle d'une naissance un peu allégorique du cinéma, dans le sens où il parle de la naissance jusqu'à la fin du cinéma muet. C'est d'une richesse, c'est incroyable. Ce que je trouve particulièrement chouette, c'est que c'est pas un film qui tombe dans la nostalgie comme plein de films qu'on a qui sont hyper chiants et qui te servent genre de la nostalgie vendeuse. Par exemple, les films qui parlent des années 80, à part Les Magnétiques où c'est génial, la plupart des films des années 80, genre, c'est vraiment... Ils misent tout sur cette période-là en mode grosse nostalgie, truc vraiment pas fin et absolument pas cinématographique. Et là, vraiment, genre dans Babylone, l'objectif c'est de prendre le pouls d'une époque, de la représenter et d'essayer de recréer ce climat, cette ambiance que les gens ils ont pu vivre à ce moment-là. Et je trouve ça super fort, c'est magnifique. Hein, genre, par contre, visuellement, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on a une séquence dans une maison qui est une villa, genre dans le désert et tout. Et là, c'est là que le titre Babylone prend tout son sens parce que on voit qu'on est au centre du monde et en même temps t'as cette esthétique folle babylonienne ou enfin genre berceau de l'humanité qui est recréé dans la soirée avec l'architecture et tout. Donc les couleurs elles sont somptueuses, enfin c'est vraiment esthétiquement c'est trop bien. Les personnages sont extrêmement bien écrits et ce que je trouve hyper chouette c'est que vraiment un des propos du film c'est de montrer que le cinéma, à la base, c'est un art forain, c'est un art qui vient d'un monde un peu dégueulasse, populaire, et que c'est pas un truc de gros péteux, de cahier du cinéma qui s'écharpe pour tel ou tel film, tout ça. Je trouve ça trop bien parce que ça ramène vraiment le truc en mode c'est un art du peuple et qui était énormément discriminé à l'époque parce qu'on considérait que c'était pas un art et tout ça. C'est trop chouette aussi de ramener le cinéma à ça, à ses origines, et dans le film on voit vraiment que t'as un côté hyper corporel, presque des fois vulgaire, bah on a énormément d'urine, d'excréments, de tout ce que le corps peut produire, c'est vraiment hyper physique, corporel, ça suinte de partout, et c'est vraiment, je pense, c'est ce que voulait dire Damien Chazelle en faisant ça en fait. Ensuite, je voulais parler de la scène finale. La première partie m'a bouleversée, la deuxième partie, bon, j'étais moins fan, ça m'a un peu cassé dans mon émotion, mais j'étais en mode bon, why not. La dernière scène, du coup, c'est en gros notre personnage principal qui revient à Hollywood des années après avoir quitté ce monde-là au moment du passage du muet au parlant. Et il tombe dans une salle de cinéma dans laquelle est projeté Chantons sous la pluie, qui fait en fait écho à tout ce qu'il a vécu et qui parle même directement de sa situation. Et juste il se met à pleurer parce que bah, ça lui rappelle tout ce qu'il a perdu en fait. Et là on a un dézoom sur lui et du coup on voit toute la salle du cinéma, toutes les personnes qui sont réunies au même endroit pour voir le même film et qui réagissent tous différemment. Et Chantons sous la pluie, c'est un film hyper référencé parce que c'est un film qui parle directement de cinéma, comme d'ailleurs Babylone. Et
C'était incroyable, moi j'ai pleuré et j'étais en mode j'adore le cinéma, c'est trop bien, ça rassemble tellement de personnes différentes et c'est trop beau et c'est génial, c'est magnifique. Allez voir ce film, vraiment il est trop bien et ça fait trop du bien de voir des grosses productions américaines qui ont de l'ambition, qui prennent pas les spectateurs pour des cons et c'est trop chouette. Sous la forme d'une lettre.